Hello tout le monde, c'est Mio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de God of War Ragnarok. Donc les amis, c'est parti, j'ai hâte de découvrir la suite. On en était où? Bah, on avait tout simplement récupéré les cendres donc de la femme de Kratos, la maman d'Atreus. Et on s'est fait attaquer dans leur petite maison par je ne sais quel je sais même pas c'est qui, je sais pas ce qu'il me veut celui-là. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait tué. Voilà, donc tout ce que je sais c'est que le mec il s'est pris pour Prison Break avec ses millions de tatouages sur le corps, mais non, il arrive pas à la cheville. Donc les gars, on est parti. J'espère qu'on va réussir à se sortir de tout ça. C'est que le début, mais ça m'a l'air assez de partir sur les chapeaux de roue. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et au passage, j'espère que tout le monde va bien. Let's go. Alors, c'est parti. Je vais essayer de fouiller un max. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour du coup trouver un tas d'objets et tout. Hop, on peut passer. Attends, je peux voir là-bas si j'y suis. Non, non, je peux pas. Bon, de toute façon, j'ai été attirée par un truc en bas, obligé, j'y vais. Attends, je peux pas. Oh, je me rappelle plus des boutons, ça y est. Merde, c'était quoi déjà? Ça. Ça, c'est pour viser et lancer la hache. J'avais quoi? Oh, les gars, j'ai tout perdu. Ah bah, elle était plantée, je sais pas où, d'accord. Hop, je rappelle avec ça. Ok. Et je tape avec. Ok, donc merci bien. Ok. Ok, ok. Et lui, je lui fais envoyer des flèches avec ça, d'accord. Qui c'était? Je ne sais pas. Moi non. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Tu l'as tué? J'ai fait ce que j'avais à faire. Bah ben voilà, il est sur mon dos. Voilà. Trop mignon. Mourir. Ne me laisse plus jamais seul, d'accord? D'accord. Oui. C'est bon. Ah. C'était une fin, tout le monde, comment ça se passe? Bouge de là, toi, tu me gênes. Mais je le fais depuis tout à l'heure. La grosse carotte. Bah tu veux pas? Bon bah ça va. Ok. Non, ça va. Monte. À cheval. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour toi. Je comprends. Tu crois que c'est là depuis tout ce temps ? Mes avances.
Tu veux bien m'aider à monter là-haut? J'aurai une meilleure vue. Bien. Mais pas maintenant. Ça, ça va voir. Bah oui. Bonne idée. Ouais, je sais, merci. Merde. Si je peux. Non, je peux, non, c'est pas bien. Ok. Putain, mon petit chéri, regarde. 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 Non, regarde pas. Regarde pas. Voilà. Ah, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ok. On va. Allez, viens mon petit. Viens. Hop! Hop là, hop! Trop léger. Allez. C'est bon! Balance-moi la chaîne, mon chéri. Christa! Atreus! Oui, père. Pas dans 10 jours, merci. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Ce seau, tu crois que c'est pour les offrandes? Maman disait que les disciples d'Odin les remplissaient de cadeaux et les accrochaient hors de portée des voleurs. Oui. Celui-ci a l'air très vieux. Stupide. Quoi? De vénérer les dieux? Les dieux n'ont que faire des offrandes. Et les hommes ne devraient pas vénérer des monstres. Ça... Oh merde, c'est pas ce que je veux. Coup de balle. Ah, quel teubé. Bon, c'est pas grave. Je peux sauter maintenant. Ah, bah non, je peux pas. Oui. Ah, vas-y. Chier. Oh, je peux pas descendre. Oh, vas-y, faut que je descende. Ah, là, c'est cool. Ça là-haut. Oh, je suis bête. Même. Regarde là-haut. Ouais, mais attends, du coup, moi je vais ramasser. Ah oui. Bon, les gars, je vous retrouve là-haut. Allez, viens, mon petit. Oh, elle est trop belle. Père, est-ce qu'on croisera des gens sur la route? Oui. Gentil? Non. Ils essaieront de nous détrousser? Peut-être bien. Oui. Allez, go. Moi je trace, on a fait tout ce qu'on avait à faire. On traînerait. Waouh! Waouh! Oh la vache, c'est joli. Mais c'est en train de cramer quoi. Regarde! Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Ah, c'est un symbole. Mais. Oh. Le symbole est brisé là. C'est toi qui les as coupés? Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens.
Trop tard pour les regrets. Bon, c'est pas le truc d'animer le décor, mais... c'est de la jolie. On va péter ça. Viens voir ça. D'accord. Oui. Oui, et... Et quoi? Bon, tu viens pour le bal? Bon, moi je me casse, vas-y, on s'appelle. Dis, combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. J'espère que j'en ai loupé. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Bah, arrête de demander alors. Il n'ouvre pas. Je tire. Attends mon signal. Est-ce qu'on va les attaquer? Concentre-toi! Il l'a déglingué, Fessilia, concentre-toi. Je vais l'utiliser. Indicateur de menace. Les indicateurs de menace autour de Kratos pointent vers les ennemis hors champ. Un indicateur doré signale un ennemi proche. Les indicateurs qui clignotent en rouge annoncent une attaque imminente. Sympa. Les indicateurs qui clignotent en violet. Ah, parce que c'est violet ça. Annonce un projectile à l'approche. Maintenant c'est bon! Ah! Ça c'est trop bien. Pardon, je suis pas prêt! Alors quoi? Ne les laisse pas souffler. Mais pourquoi il a pas voulu faire votre petit vidéo? Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. C'est trop beau, ça. Regarde là-haut. Ah, 2 minutes. Pour configurer la voile de face dans le menu paramètres. Ouais, ah bah voilà. On va faire le tour, mon petit, et on voit ça après. Ah,
page pétée. Ok. C'est quoi, tu faisais? Vers quoi? En haut. Ah! Merci, mon petit bichon. Ça, et on peut monter. Atreus. Viens. Okay. Et quoi? Il y a un campement de Yotnar là-bas. Des Yotnar? Des géants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait. Oh, mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre même si je les ai pas apprises. Tu vois? Trop mignon. T'es intelligent. Tu gères. Je vais d'abord voir là-bas et on monte après. C'est pas de là qu'on arrive. Bah si, c'est de là qu'on arrive. Tu suis pas, Mio, tu suis pas. Oh, c'est pas vrai. Donc, tout ça, on a fait, c'est bon. Ok, bah on a plus qu'à y aller. On a rien oublié, bichon. C'est bon. Pourquoi tu vois cela? Bientôt, t'es pas. Ah. Je vois pas mon viseur. Ah, je vais y aller. Pic, pas d'autre. Encore des trucs en hauteur. C'est pas cool de cacher des trucs en hauteur, hein. Faut arrêter. Super, non. Alors, ça veut dire que ça se trouve d'ici là. Enfin, avant d'arriver ici, j'ai oublié. Là, les trucs peut-être. Mon bichon, pourquoi tu restes là? Prends ton épée, allez. Reste là. Qu'est-ce que c'est? Tu peux le péter, non? Je l'aime pas. Bon, et ben on y va. Allez, go. Le chemin de la montagne. Tu me le dis, bébé, si je veux. Nita! Attends! Ouais, voilà. Autre chose? Espace tes tirs, la vitesse te fait perdre en précision. Compris. C'est ma faute, le pauvre, il se fait engueuler à cause de moi. Je me balance pas. Super. Ok. Hé, hey, on dirait qu'il y a un coffre là-bas. Moi je prends tout. Moi je prends tout. Une pillarde. Comme ça? Ouais, comme ça. Baiser de Hell. Attaque runique rapide. Soudaine explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis à proximité. Ça. Vous avez obtenu la gemme d'attaque runique Baiser de Hell. Les gemmes runiques vous permettent de personnaliser vos armes pour effectuer des attaques runiques rapides et puissantes. Allez dans l'onglet des armes pour insérer les gemmes runiques dans les emplacements prévus à cet effet. Onglet des armes. Faites défiler pour sélectionner l'emplacement. Appuyez pour sélectionner.
C'est vite vu. Maintenir l'un et un. Soudaine explosion d'énergie qui s'interrompt. Ouais, d'accord. Niveau 1. Dégâts. Étourdissement. Récupération 30 secondes. Dégâts de zone. Cette attaque runique dispose d'attributs et d'un temps de récupération. D'accord. Utiliser l'exp pour améliorer. Ah. La hache Léviathan de la gemme d'attaque. Voilà. Sont indiqués par le symbole E. Appuyez sur. D'accord. De toute façon, il n'y en a pas d'autres, donc. Voilà. Bon, mais j'ai besoin de le faire. Joli coup. Je le ferai en combat. Je vais pas le faire juste pour le faire, tu rêves ou quoi? Mais attends. Du coup. Voilà. Comme ça, ça va tout désinguer. Voilà. Et là, quand je vais faire L1 R1, ils vont rien comprendre, les petits. Tu fais quoi, toi, là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Et à chaque fois, il me fait des feintes, là. Je crois toujours que j'oublie des trucs. Eh bien... Bon. Moi, je passe, là, moi. Oh, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Wow, comment t'as fait ça? Ah, comme ça. L1, R1. Vas-y. Allez, merci. Passe. Mais en vrai, je vais passer sans toi. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Ça craint rien. Ça pue tout ça. Ça craint rien. Ça pue ça. Non, tu mérites que je te laisse. Non. Alors attends. Je joue un petit peu dans la boue d'abord. Je vais lâcher. Vas-y, tu fais chier. Père, aide-moi. Accroche-toi. Vite. Je glisse. Reste calme. J'y suis presque. C'était pas si mal. Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé. Mais il faut pas qu'ils se réveillent tous en même. Encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Est-ce qu'ils jouent un 2-3 soleil? Plus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. Niveau 2. Le niveau des difficultés des ennemis est représenté par la couleur de leur jauge de santé et le chiffre obscurité. Voilà. La couleur des jauges de santé des ennemis varie du vert au violet en fonction de leur puissance comparée à celle de Kratos. La précision avant la vitesse. Et toi, là-bas. Au-dessus de toi,
T'inquiète. Michel. T'inquiète. C'était le dernier. Non, mais cela, c'est pas grave. Prends encore plus ton temps. Ouais. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important, c'est la maîtrise. De toute façon, moi, je vais être sûr. Voilà, je me sens mieux. Regarde ça. Attends, chef. Deux minutes. Voilà, je me sens vraiment mieux. Attends, je fouille, hein, et je vais même pas écouter ce qu'ils ont dit, je réécouterai pendant le pendant le montage, je regarderai ce qu'ils ont dit, parce que là, je suis à fond. Pédale. Là, toi, je t'ai pas vu. Là. Ok, tiens maintenant. Ok. Ok. On va y aller. Merde, regarde ça. Deux secondes. Donc, on va casser tout d'abord. Ah, je change comme fou, je prends. C'est juste pour le fun. Alors, qu'est-ce qui est écrit, mon petit? Oh, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Regarde! Là-haut! Quelque chose brise le mur! Arrête! Il y a quelque chose derrière le mur! Oui, bah, ça c'est... Regarde, il y a une ouverture là-haut. Bah oui, du coup ils ont tout pété. Descends. On peut pas descendre. On a tout pris, on a tout vidé, c'est good. Moi je suis brave. Là-haut, regarde, une ouverture. Je peux lui péter sa gueule. Elle est méchante. Oh, je suis une connasse. Oh, la reine des connasses. Tu es qu'un scorbeau. Ah, d'accord. Les yeux dedans. Ah, oh, 2500 XP. Oh, je suis... Ça, je vais buter tous les corbeaux. Bien, mais... Voilà où. Voilà où je viens. Je peux monter. Bah, c'est par là que je viens, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, on y va. Oh, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Oh, mais il y a des psychopathes à ce moment-là.
Mais qu'est-ce que c'est? On s'approche du chant bizarre alors. Ils sont où? J'ai peur les gars, ça me fait chuter. Mais pas pour tes flèches. Je suis presque prêt. Tu l'avais pas vu. C'était une vraie revenante. J'aurais jamais pensé en voir une d'aussi près. XP pour acheter des compétences. Ah. Brasque de givre. Non, je peux pas. Ça, je l'ai. Lancer glaçant. C'est ce que j'ai déjà. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie où? Compétence. Ok, donc combat rapproché. Ça, je peux pas, ça, je peux pas. Il me faut 500, d'accord. Donc, dès que j'ai assez, je prends. Et ça, c'est... Bah, ça veut dire que je l'ai déjà, alors. Ah, ok, je peux acheter ça. Non? Bah, ça, c'est ce que j'ai, alors. Acheter bonus supplémentaire. R2 pour sauter et percuter le sol. Mais depuis quelle heure je peux faire ça? Je savais pas. R1 pour porter un coup violent. Oh là là, il y a trop de trucs que... Je sais pas, moi. Et pour le petit, compétence cachée. Cachée. Ah, ça, je peux acheter alors. Atreus et Kratos lorsqu'un ennemi est dans un certain état de vulnérabilité ou lorsque son père est attaqué. Je vais prendre ça, de toute façon je vais tous les prendre. Ok. Oh, je vais mettre des trucs pour le petit, moi. Et ok. Comme ça, quand j'irai, ce sera fait. Voilà. J'aurais pu faire ma scène. J'espère que ça va pas s'effacer. Ça va pas se barrer. Ils sont tous les deux en bas. Ok. Comment je monte là? Voilà. Ok. C'est là le chemin principal. Là, je peux pas y aller. De toute façon, j'ai pas le choix. Par là. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, mais aussi. Ah, le chat. Et là, le chat. Et là-bas, maintenant. Il va sauter, je peux rien faire.
donc faut que je saute là-bas. Je comprends toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Je pourrais plus remonter là. Je fais ça. Si je descends, je... Là-bas. C'est quoi ? Ah, il est en train de lâcher là ? Non, tu gères. Comment je remonte ? Enfin, je vais voir là où vite. Si je descends, je peux pas remonter, je me tiens là. C'est quoi là-haut ? Si on te demande, tu t'en sais pas. Bon, c'est fake. Ça, ça m'intéresse. Acier doux de Spartal Fame. Ok, donc déjà ici c'est fait, c'est cool. Il y a quoi là-haut ? Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment ? Suis-moi. Ah ouais, bah oui. Parce qu'on s'est cassé la gueule. Non, je vais en bas. En plus, il faut que je recommence. Je pense qu'il y aura moyen de remonter. Eh, je peux pas ? Ah, donc je peux remonter. Ah, oh, ça déchire. Alors, c'est comme ça qu'on descend. Pas, il me faut de la vie. Ah, il est trop fort, lui. Il va me tuer. Oh, dégué. J'ai fait là le fric et tout, mais je m'en sais même pas. Il y a le magasin, il y a quoi ? Je m'en sors comment ? Une minute. Et si les revenantes se déplaçaient pas seules ? Et qu'il y en avait tout un groupe qui nous attendait là-haut ? Et qu'elles étaient vraiment en colère ? Atreus. Tu peux arrêter, pardon, s'il te plaît, de me... J'ai trop d'imagination. Ouais. Mais tu te calmes, parce que là, j'ai pas de quoi me remettre de la vie, donc tu restes tranquille avec tes... Si. Oh. Bon, allez, on remonte. Tellement balèze. Plutôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerai s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris ? Mais je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Go!
derrière le coffre. Oh. Oh. Oh, c'est quoi? C'est quoi ça là-bas? Je quitte ça. Magnifique. Yes. Deux. Yes. Encore un. Et c'est bon. Voilà, attends, parce que... Ah, la simulation de merde. Oh, oui, non. Comment ça? Oui. Mince! Nice! Je suis pas prêt. Du coup, ça m'a complètement chamboulé là. Je sais plus par où. Il n'y a rien. Ici, on m'a fait je pense que c'est un coffre. Il faut que je passe par là. Il faut que je pète quoi. Mais attends, parce que là, il y a un truc. Oh, je me trompe.
Je vais déjà aller faire le reste. Je vais faire ça. Oh, attends. Ah bah non, il va remonter dans le trou là. C'est mort. Tu penses qu'on sera en sécurité? Tu penses que c'est plus sûr ici? Oui, c'est pareil, je vais monter. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc de perdre. Ouvre ça. Ces âmes. Mais attends, parce que est-ce que c'est pas là? Non. Je suis prêt. C'est le chemin principal. Attends, je suis pas prêt. Et ça, j'étais ouvert. Viens voir ici. D'accord. C'est quoi? J'ai déjà vu ce langage. Le royaume des nains est sécurisé. En l'échange de notre protection contre les rôdeurs éléens, ils ont cédé le contrôle de leurs frontières à Asgard. Grâce à la prévoyance d'Odin, les Vannes ne peuvent plus compter sur l'aide de Svartalfheim. Les elfes sont suffisamment distraits. Tout se passe comme prévu. Le gardien corbeau. Et... ouais, bah, je trouve passionnant. Ouais. Alors, mis bout à bout, tout doit être ultra intéressant. Mais là, comme ça, moi... Faut pas trop m'en demander. Encore un de ce côté. Ah ah. Son nom est Rungnir. Mère m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le serpent monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Avec son marteau. Mais là, il est écrasé sous le corps de Rungnir. Idiot. Idiot, eh. Je parle pas comme ça, hein. Respecte un peu. Donc, on a encore à nouveau 2 sur 11. Ok, ça fait beaucoup là, 11 quand même. Donc, ici, je peux rien faire. Pourquoi ça nous fait ce passage là? Là où j'ai déjà ouvert. Là, j'ai tout fait. Oh le pauvre. On a deux dépendants. Bon, on arrête les conneries.
peux savoir, mais ça me dit pas comment on ouvre le bordel. Bon, ça c'est fait. Ici, il y a quoi? Putain, le sang. Ok. Ça pour ça, genre. Ah non. Quel bourrin je suis là, c'est un truc de dingue. Mais voilà le pognon que j'ai, mais pour quoi faire? Où est-ce qu'on va maintenant? Il n'y a absolument rien. Ok, bon, on se cache. Mais comment on l'ouvre? Okay. Est-ce que je dois essayer? Ben non, il y a des pics. Comment je fais? Rien. Il n'y a rien. Nulle part. Là, je peux pas sauter par là. Aïe, ça fait mal. Va balancer le gamin. Ah, bon. C'est par un autre endroit. Il y a un autre endroit qui va me ramener là-bas. Et là-haut, ok. Let's go. On va dire que c'est ça, hein, parce que. Oh, c'est quoi cette odeur? Maintenant! Hein? Ce sont des Éliens? Ils sont vivants, regardez! Ouais. Préparez les feux! Zygmunt, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie. Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Ne tuez que des là. Attendez une ouverture. Atreus! Il l'a tué. Quoi? Atreus! Quoi? Non. Il est choqué parce qu'il l'a tué. Oh, pas bien. Rien, t'as bien fait. Qu'est-ce qu'il fallait? Oh, pardon pour les oreilles.
Il me fait peur. Atreus, j'ai besoin de toi. Reste ici. Donne-moi un moment là. Je m'en occupe. Ouais. Vraiment que je le fasse à revers. Ah, déjà, dégage. Revenus. C'est terminé. Je veux partir d'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Ici. Ouais, cette chaîne. Donc ici, il y a que dalle. Il y a forcément une issue. Là, ce sera lui qui va me faire descendre, j'ai pas le temps. Allez, Lulu. Va libérer la chaîne. Oui. Bah, vas-y. Allez, trois jours, là. Allez, libère-moi la chaîne et puis on s'arrêtera là, pour cet épisode.
Allez, mon petit. Atreus, la chaîne. La chaîne, oui. La chaîne, oui. T'inquiète pas, c'est rien, t'as bien fait. Allez. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Oui. Je comprends, c'est juste que... Parfait. Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi ? Ouais. Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Allez. Monte. Je suis prêt. Merci. Que t'as un problème? Écoutez, les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On a bien progressé. On a appris de nouvelles choses. Il y a des bruits chelous. Je suis en flip là. Donc bref. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Les bruits sont vraiment flippants. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un max de pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner. Si c'est pas encore fait, on se dit à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Prenez soin de vous les amis. Bye!